Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter des micro-ondes. D'ailleurs j'en avais présenté pour la vidéo précédente. C'était des micro-ondes justement à grill. Donc n'hésitez pas à aller voir. Et là on est parti pour des micro-ondes à four combinés. Donc ça c'est vraiment un plus aussi. Donc je vous en présentais 3 bien sûr, et vous retrouverez aussi les liens en description de cette vidéo, ça c'est vraiment un plus aussi. Donc vous avez une capacité de 20 litres pour le tout premier de la marque Candy, un mot posable justement, c'est un grill aussi. Bien sûr il fait grill aussi, mais il a cette capacité justement de faire four, et ça c'est vraiment un plus. Donc micro-ondes Candy, bénéficiez de conseils justement pour votre micro-ondes. C'est dans cette vidéo qu'on va voir un petit peu tout ça. Donc justement un acier inoxydable au niveau du... des matériaux. Après bon, il chauffe tous les aliments normal, hein, c'est un micro-ondes aussi de base, hein, donc à ce niveau là vous avez donc 600 watts au niveau de sa consommation énergétique annuelle. Vous avez donc un niveau sonore, enfin 600 watts au niveau 44 décibels, et il fait 11 kg. Donc déjà c'est assez, c'est vraiment très très bas. Vous avez un micro-ondes à grill de 20 litres, plus un programme digital, plus un micro-ondes de 700 watts, et plus une puissance de grill de 1000 watts, et 10 menus automatiques et une fonction de silence, un mode écho. Voilà, je vous passe un petit peu les détails. Si vous voulez vraiment plus de détails, vous l'avez en commentaire. Mais vous avez un plus dans celui-ci, c'est une application Simplify. Donc Simplify que vous téléchargez sur Android ou sur iPhone, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Et vous avez la capacité là-dessus donc de pouvoir télécharger pour l'utiliser justement pour faire un large choix sur votre micro-ondes, votre recette, tout type de plat que vous souhaitez faire justement avec votre micro-ondes. Ça peut être vraiment un plus. Et puis un petit peu, vous pouvez voir un petit peu ce que vous pouvez faire avec. Justement, bien sûr, vous avez cette fonction grill qui est juste très bien. Et justement, c'est la fonction four, hein, clairement, pour celui-ci. On part sur le tout prochain. Donc, justement, pareil, vous avez le Toshiba, donc un four à micro-ondes avec une fonction grill croustillant et une cuisson combinée avec 5 niveaux de puissance et une puissance de grill de 1000 watts avec justement une capacité de 20 litres pour celui-ci. Donc, vous avez donc, juste pour au niveau de la note, je ne l'ai pas précisé pour le précédent. Pour le précédent, pour la marque Candy, nous étions sur une note de 4,4 sur 5 au niveau Amazon, et donc pour le prochain on est sur 4,3, donc forcément légèrement moins bien, mais franchement vous inquiétez pas, il reste quand même très bien noté, il reste quand même très très bien aussi. Au niveau juste de sa puissance, donc puissance de grill, j'ai dit que c'était 2000 watts, et aussi pour la puissance justement normale, donc 800 watts pour les 5 niveaux de puissance. Vous avez un différent, donc vous avez une 5 niveaux de puissance, forcément ça baissera peut-être aussi au niveau de sa consommation énergétique. Vous avez au niveau de la longueur, de la largeur et de la hauteur, donc on est sur 30 cm et 30 cm et l'autre 20 cm, bon après à quelques millimètres près, donc n'hésitez pas à voir ce que vous recherchez aussi à ce niveau là. Vous avez aussi le tournant, le verre tournant que vous avez dans tous les micro-ondes en général, c'est de 25,5 cm, donc vous avez un plateau de tour en verre justement à ce niveau là. Donc voilà, franchement c'est la marque Toshiba qui fait ça, donc franchement très bonne marque aussi. Ça fait des années qu'ils font des micro-ondes. Vous pouvez faire entièrement confiance. Et puis ils font aussi d'autres produits à côté, donc ils sont quand même bons dans leur domaine. J'espère en tout cas. Et vous avez aussi la décongélation qui est très facile. Donc justement il faut rester le niveau de puissance sur décongélation, et vous avez une décongélation au niveau de votre micro-ondes. Donc ça aussi c'est quand même vraiment bien, et c'est un plus aussi pour, voilà, pour plus tard, si vous avez envie de faire des aliments, justement décongeler des aliments. J'espère que justement on va passer au prochain de la marque justement Panasonic. Donc Panasonic, le NNK10, hein, je vais pas aller plus loin parce que la référence est vraiment longue. Vous avez 5 niveaux de puissance, ça va du 200 watts jusqu'à 800 watts. Je vous laisserai aller voir en description tous les niveaux de puissance qu'il y a. Vous avez aussi 20 litres de disponible, donc ça c'est quand même un bon plus aussi. Vous avez la fonction grill de 1000 qui va jusqu'à 1100 watts, un plateau tournant de 25,5 cm, donc on reste vraiment correct. C'est vraiment, par contre celui-là il est vraiment classique. Il n'y a pas de fonction digitale. C'est vraiment le classique des micro-ondes. Clairement, très classique. Vous avez donc l'encombrement du grill qui a la cavité est vraiment réduite. La voûte est donc plus facile à nettoyer. Justement, pour chauffer le quartz, consomme 10% d'électricité en moins. Donc c'est quand même un bon plus aussi. C'est un supplément. Et vous avez donc, si vous voulez plus de renseignements, bien sûr, hein, si vraiment j'en ai loupé quelques-uns, en description de vidéo, bien sûr, 46 décibels au niveau de son niveau sonore. Et 800 watts comme j'ai dit pour le micro-ondes. Et un four micro, justement c'est un four micro-ondes combiné, donc au niveau de celui-ci. Je n'aurais rien à rajouter de plus, hein, qui fait quasiment les mêmes choses que les précédents en vrai en termes d'expérience et tout. Sauf que celui-là il est beaucoup plus manuel que les précédents, parce que les autres étaient un peu plus digital ou manuel aussi. Ça dépend celui que vous recherchez. Donc ça dépend après lequel, parce qu'il y en a, ils vous affichent l'heure, ils vous affichent le minuteur, voilà. Donc il y en a certains qui n'ont pas, qui l'ont aussi. Donc
Vraiment, renseignez-vous bien, bien sûr, en description. Celui que je vous conseille pour ma part, je vous conseille vraiment le Toshiba, le four à micro-ondes, justement, le que je vous ai présenté. Vraiment très bon et qui fait vraiment pas mal de choses, et justement avec sa capacité aussi. Mais le premier aussi est tout à fait intéressant avec son application. Donc, à vous de voir. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. On se retrouve à la fois prochaine pour de nouvelles vidéos. À la fois prochaine, ciao, ciao.